Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau. Pour le réaliser, je vais avoir besoin des cacahuètes, de la farine, du sel, des œufs, du sucre, du cacao, de la levure chimique, du sucre vanillé, de l'huile et du lait. Je vais tout de suite passer à la préparation du gâteau. Donc, avec les œufs, je viens rajouter le sucre. Donc, je viens battre le tout jusqu'à blanchiment. Je viens ensuite rajouter le sel. Le lait. Je rajoute ensuite l'huile. Je viens mélanger. Donc je viens ensuite rajouter la levure chimique. Le sucre vanillé, je mélange encore un peu. Donc je viens ensuite rajouter la farine petit à petit. Comme il y a beaucoup de farine, il faut y aller à petite dose. Je vous mets la recette complète en bas de la vidéo. Donc ensuite, à l'aide du spatule, je viens mélanger le tout. Donc une fois le tout mélangé, je viens partager la pâte. Voilà, il faut faire en sorte de partager à part égale. Donc l'autre moitié, je vais rajouter le chocolat, le cacao amer non sucré. Voici le cacao. Je viens rajouter quelques cuillères à soupe d'eau, bien mélangées. Voilà, jusqu'à obtenir une petite pâte homogène. Je viens ensuite la rajouter dans le mélange. Donc je viens ensuite mélanger le tout jusqu'à coloration complète de la pâte. Et ensuite, je viens verser le tout dans le moule. Et pour finir, je viens rajouter les cacahuètes par-dessus, pour apporter une petite touche décorative. Je vais ensuite enfourner à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Le voici une fois cuit. Je vais laisser refroidir avant de démouler et de couper. Donc je viens couper et vous montrer ce que ça donne à l'intérieur.
Un gâteau très simple, rapide et très bon. Idéal pour le petit déjeuner ou au goûter, accompagné d'une bonne tasse de thé ou du lait. Et voilà. J'espère que la recette vous plaira. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées recettes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. À très bientôt.